audace. Alors, c'est le grand jour. Les 6 candidates retenues sont en train d'arriver à la villa maintenant pour montrer chacune leur audace et leur rage de réaliser leur projet. Si elles savaient ce qui les attendait. Anyway, sans plus tarder, nous allons aller recevoir nos chères audacieuses. On y va? Audace. Eh oui, c'est le grand jour. Après avoir fait un peu connaissance avec les candidates lors de l'étape des visites surprises, 6 candidates ont été retenues sur la base de la pertinence et viabilité de leur projet. Les 6 audacieuses vont intégrer la villa afin de tenter de remporter 1 million de francs CFA pour financer et développer une activité. Ce sont Bonnie Noëlla Alexia, 27 ans, Ndri Marie Ala, 18 ans, Nayou Isabelle, 21 ans, Kamara Djeneba Priska, 19 ans, Kamara Sheikh Makali, 25 ans, Wonan Marie Grasse, 21 ans. De la villa. Marie est là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien, okay. Ça fait beaucoup de bien. Priska, et toi? Ça rend heureux. D'accord. Particulièrement, je suis très heureuse d'être parmi elles toutes et ça me plaît de pouvoir matérialiser mon projet et atteindre mes objectifs. Super. J'étais très heureuse lorsque j'ai reçu l'équipe de production chez moi. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ça. Suite au combat que la vie m'a fait, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc après le départ de l'équipe, je me suis mise à pleurer. Mais je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je vis? C'est vraiment réel que moi, Priska... Comment vont les enfants de ton quartier? Ils vont bien. Ils vont bien. Ok, bon, les filles, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je vous annonce que pour commencer, on a une surprise pour vous. Ah, super. J'espère que vous allez aimer la surprise. Et donc, normalement, vous deviez être 6 dans la villa. Il se trouve que vous serez finalement 7. Radis, là. Bonjour, ici. Je vous présente Radis. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Bonjour. Radis, comment ça va? Ça va très bien. Ça fait quoi d'être la dernière épluchée? Déjà, on était 6 au départ. Donc, ça fait beaucoup. Une 7e, il a dit, là, ça va chauffer. Je suis très contente parce que je n'attendais pas à ça. Je suis contente de savoir que j'ai place à une étape. Bim, le regard des filles sur moi. Elle m'assassinait du regard, en fait. Bon, j'ai pris sur moi, je me suis assise, je chante. Je suis pas venue pour m'amuser, quoi. J'ai repris déjà 3 filles avec des regards façon. J'ai pas trop aimé, mais on est là pour ça. C'est super. Alors, la fille, la qui s'est venue plutôt raser, elle est venue en dernière position. Déjà qu'on a 6, bon, il y en a qui ont réagi un peu naturellement. Parce que quand tu apprends, tu sais déjà que vous êtes 6 et que vous devez vous battre pour 1 million. Et qu'une 7e vient, ça ajoute au lot, vraiment, c'est un peu déroutant. Mais moi, sincèrement, ça ne me ferait pas du tout. Parce que j'ai tellement confiance en moi que je sais que je peux gagner. Le million en fait, et pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire. J'espère que vous êtes prêtes. On est très prêtes. Super. Alors, il y a aussi une deuxième surprise ou une information, ça dépend de comment vous allez l'apprendre. C'est que ici dans la villa, on va évoluer par groupe. Donc, tout ce qui va se passer, je vais vous donner le nom du groupe. Je vais vous dire quel groupe, dans quel groupe vous êtes. Vous allez dormir ensemble, vous allez tout faire ensemble. Voilà. Donc, je vais commencer par Bonnie Alexia. Bonnie? Oui. Et Marie-Grasse? Oui. Marie-Grasse Makale? Ok. Vous êtes à 3. C'est vous, votre groupe. Enfin, vous allez trouver après le nom de votre groupe.
Ok. Comment tu vis? Allez, c'est Priska. Oui. Isabelle. Vous êtes des binômes. Non, vraiment. Évidemment, tu sais qui est un binôme. Marie-Ala et Rakis, vous allez former le deuxième binôme de la télé-réalité. Donc, vous avez votre chambre. On est d'accord? Oui. Tout le monde est content? Oui. C'est quoi? Ça va aller. Ça peut aller. Ça va aller. Ok, c'est super. Donc, les filles, vous êtes là pour saisir une opportunité qui s'est présentée à vous. Vous êtes là parce que vous avez un projet, vous êtes là parce que vous avez besoin d'un coup de boost. Mais n'oubliez pas aussi que vous êtes là pour vous détendre. Voilà, nous sommes des jeunes filles. Si vous êtes comme moi, je suis sûre que vous passez tout votre temps à faire des calculs, à réfléchir tout le temps. Et là, on va se détendre un peu. Vous avez une belle villa, vous avez le jardin et tout, vous allez découvrir tout à l'heure. On est là pour se détendre un peu, pour laisser tomber un peu toute cette pression de la vie. En plus de cela, je voudrais vous dire aussi que vous êtes là pour partager avec nous, avec les téléspectateurs, votre histoire. Vous êtes là pour donner envie à toutes les jeunes femmes qui vous regardent. Vous êtes là pour leur donner envie de se battre. Vous êtes là pour leur donner envie d'être des femmes accomplies, des femmes d'influence. Donc, amusez-vous. Et puis, bon, je crois que je vais vous laisser. Je ne vais pas trop vous emmerder avec mon long discours. Vous avez toute la maison, vous pouvez commencer à visiter. Et surtout, dès que vous finissez de visiter, portez votre belle tenue parce qu'on va dans un chic restaurant. Donc, vous laissez apporter. On va bisous la fille. Je crois qu'on va passer par là. Je trouve que c'est là que je trouve comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est une belle villa, bien, de belles chambres, de bons lits, tout ça. C'est moi. Non, j'habite ici. Toutes les chambres sont belles, ok, mais moi j'ai adoré ma chambre, quoi. Faut voir la décoration, les tableaux. Je suis bouche bée. Je participe à ce jeu pour mon projet. Pour mon projet, je veux avoir un grand magasin, vendre mes trucs dont j'avais besoin de financement. Donc je me suis dit, voici une bonne opportunité, pourquoi ne pas la saisir? J'arrive à la villa aujourd'hui, je découvre les filles. C'est pas facile, hein? On est 7. Mais bon, on va prendre avec et tenir 72 heures. Il y a piscine. Viens t'arrêter, il y a piscine. L'eau la boue, attends, allons-y voir. Il y a de l'eau la boue, oh. La ville est juste magnifique. Genre, il y a tout dedans. Piscine, jacuzzi. Waouh. Pour l'instant, ça n'a pas bien touché si c'est jacuzzi, mais c'est quoi? Ah, ma camarade. Chic de. Oh, j'ai aimé. Ça, c'est les loose nappes.
Je suis très heureuse de participer à ce concours-là parce que grâce à ce concours, je pourrais réaliser mon projet qui est d'investir dans l'agroalimentaire. Et ce projet me tient vraiment à cœur. C'est joli, ben. Regardez la villa, s'il vous plaît. Donc, je me dis que j'ai toutes mes chances de remporter cette compétition-là et réaliser mes rêves. Moi aussi, fais partie de ces de cette grande dame qui ont réussi à s'imposer. Je sens que pour ces trois jours, je vais en démolir beaucoup. Chic bien, s'il vous plaît. C'est le haut niveau. Le haut niveau. Audace. Hé, il y a déjà trop. Ça a cassé via des gens. Tchè. C'est jacuzzi, mais c'est quoi? C'est jacuzzi, ça boue même. Faut. Ça, c'est les loose snap pour Instagram. Audace. Et maintenant, on se fait toute coquette pour le déjeuner de bonne arrivée. Bon appétit les audacieuses. On était là, à la villa, on avait toute faim. On nous dit, ouais, les filles, vous sortez, vous allez manger. Mettez-vous dans vos belles tenues. On se fait des chics style, on arrive dans un coin bizarre. Hi. On vient soulever les briques ou bien, moi j'ai vu des briques. Et on a dépensé. Maintenant, il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, rentabiliser. Donc, l'épreuve à laquelle vous serez soumis, c'est de vendre, n'est-ce pas, ces pissables au Seigneur. Donc, vous voyez, toutes ces personnes qui sont là sont d'office vos clientes. Vous venez vendre pissables. Pissables.
Bissap. Donc, ça sera à vous, en équipe, de pouvoir vendre les Bissap et les Nyamankou que c'est, nous avons pu. C'est un jeu, n'est-ce pas? Non, c'est la plus non, méritée. Non, c'est une blague. Chaque binôme, on va vous donner votre assiette de Nyamankou et de Bissap. Et on va vous voir le. On veut voir de vraies audacieuses. Une audacieuse n'a pas honte. Okay. Une audacieuse n'a pas froid aux yeux. Une audacieuse, tant qu'elle peut faire quelque chose dignement pour avoir son argent, pour construire son avenir, elle n'a aucun problème avec. Vous allez bien les vendre sous cette pluie pour dire que oui, je suis une femme battante, j'assume. Et je suis prête à aller jusqu'au bout. Ok. Ça me faut journée, c'est fait talent là. J'attrape, je commence à. Attention, les de 500. Tu as grandi où est-ce que ça dépend du marché. Tu as fait quelle filière? Moi, c'est quel côté? J'ai commencé Tu as fait quoi? Tu fais quelle filière? Moi, je dis que ça peut marcher parce que j'ai l'esprit. Quel côté de commerce? Je suis à Divo, c'est-à-dire dans une catégorie. Prisca, c'est une fille que j'apprécie bien. Elle a une belle taille, tout bien raffinée. Mais elle a ce truc-là, cette manière de parler que personne ne supporte au fait dans la vie. Je pense que je ne suis pas la seule au fait dans cette situation. Un petit mot et tout se termine par R. R. Comme si on est obligé de dire un R à la fin de chaque mot. Quand tu lui dis Prisca, non, or, moi je veux. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Parle normalement. C'est pas comme si tu t'es mis à Paris et qu'ils t'ont ramené directement en Côte d'Ivoire, Bobo, un truc comme ça. Kumasi. Mais si tu vendais avant, si tu n'as pas de problème, tu peux vendre. À la base, ce que les gens achètent le plus dans Bissap, tout là, 50-100 francs. Au-delà de ça, ils ne vont pas. S'ils prennent des bouteilles, c'est qu'ils. C'est que ce sont des personnes qui s'arrêtent en voiture. Je dis ça, ça. On peut vendre. Il y a des personnes ici, par exemple. Qui peuvent acheter, mais qui sont dans ce quartier parce qu'ils viennent vivre dans ces jeunes quartiers. On n'a pas dit qu'ils sont. On n'a pas dit que ceux-là sont de l'expérience. Qui a dit que ceux-là sont. Non, sérieusement. Non, mais j'ai envie de faire ça. Mais ça se peut. 500. Tu sais de quoi je parle. 500, ça se vend. 500, ça se vend. Je suis désolée, je ne vais pas descendre. Oh là! C'est ma décision. Il ne faut pas qu'on insiste dessus. Je ne suis pas venue ici pour ça. Attention!